Au moment de prendre le guidon, de mauvaises habitudes persistent. Et le portable dans la main, c'est pas terrible. Longtemps pointé du doigt, la trottinette se met en règle. Reste à adopter les bons réflexes et à respecter le code de la route. Comment on signale un changement de direction? Eh ben non. Ce sera avec le pied juste. Ouais. Dans l'inconscient, on a un peu l'idée de la trottinette mécanique, on va dire. Et on ne pense pas que sont aujourd'hui des véhicules à part entière, mais qui peuvent aller sur la route avec toutes ces réglementations, avec les différents usagers. Et il y a eu tellement un effet boule de neige lors de ces deux dernières années qu'il a fallu réglementer. Une sensibilisation nécessaire alors que l'un des opérateurs à Marseille va bientôt disposer ses trottinettes dans les quartiers périphériques. On est en train de faire ce travail-là en ce moment, de sélectionner les zones de parking. On fait ça conjointement avec les mairies de quartier, les mairies de secteur, les mairies d'arrondissement ici à Marseille. Et on va bientôt...